fois sur la nationale 184 dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. L'appareil a été soufflé, il n'y a pas encore eu de revendication, mais le même radar avait déjà été détruit. Un autre importation et à destination pour faire de nouvelles inventions, sans élaboration. Un circuit plus riche, chaud, loin d'une certaine belle, parce qu'on a de l'argent pour rien, mais sans papier. Bon, comme j'ai déjà dit, pour moi, un terroriste, c'est quelqu'un qui terrorise une population. Là, hormis des radars, j'ai terrorisé personne.